Salut à tous les amis Salty, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il est énervant ce jeu. J'ai finalement réussi hier à me maintenir en division 2, mais juste après, il m'a donné des matchs cryptés, mais de dingue. Encore, ça m'a saoulé, j'ai perdu deux matchs. Alors peut-être un où je suis pas bon, mais l'autre complètement scripted. Le match, ça m'a gavé de fou. Alors, on a un truc pour un joueur qui a l'air d'être en Liga MX. On va regarder ça tout de suite. Ça va être un joueur mexicain, ouais c'est ça. Liga MX Day of the Dead. Bon écoutez, on va ouvrir, on va voir ce que ça donne. Hop, et ouais, c'était un match vraiment, mais encore une fois, trop énervant qui m'est arrivé hier. Et en fait, le jeu est énervant en ce moment. Et c'est franchement frustrant parce que ça donne pas envie de jouer en fait, je sais pas. Enfin, là, à chaque fois, quand je finis une session, je suis à la limite de me dire, vas-y, le jeu, il m'a saoulé quoi. Là, ça fait vraiment plusieurs fois que le jeu me saoule à un point, genre, vraiment me saoule, quoi. Mais bon, on va voir comment ça évolue. Alors, il y a Puyol qui est pas en forme du tout. Du coup, il faudrait mettre un DC sur le banc. Qui est-ce que je vais mettre? Tic, 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 tic. Je sais pas trop. Bah, je vais mettre Koundé sur le banc, tiens. Avec Koundé, on le voit souvent dans les équipes. Il a l'air bon, hein, en vrai. Alors, je joue comme ça, mais je vous assure que je sais plus comment jouer. Il y a rien qui me satisfait. Les caméras, je sais plus laquelle mettre non plus. Hier, j'ai perdu deux matchs avec ma caméra de loin, donc je sais plus. En fait, je sais plus du tout comment jouer à ce jeu. C'est incroyable, mais j'ai plus aucune idée de ce qu'il faut faire. Donc je suis complètement paumé en ce moment. Mais on va essayer. Je trouve que le jeu il change tout le temps. Je trouve que les matchs, parfois, vous avez aucune occasion, mais je comprends pas. Je comprends pas, en fait, le... J'ai pas l'impression que c'est quand les mecs défendent vraiment bien, mais parfois, je peux pas trouver de faille, en fait. En tout cas, quand c'est comme ça, peut-être que je devrais me mettre en contre-attaque, mais du coup, faut changer d'entraîneur. Enfin, c'est vraiment une galère, en fait, ce truc de... Tu peux pas changer de tactique si t'as pas le bon entraîneur. C'est vraiment trop chiant, en fait. C'est trop, trop chiant. Faut qu'ils enlèvent ce truc, je pense, d'entraîneur, c'est casse-couille. Et qu'on puisse au moins se mettre en contre-attaque quand on veut pendant le match ou un truc comme ça. Parce que là, si je le fais, mon entraîneur n'est pas adapté pour ça. Donc mes joueurs vont mal se placer, etc. Vous connaissez le truc, quoi. On a trouvé un match, division 6, si je dis pas de bêtises. Et bah écoutez, on va voir ça. Je sais vraiment, je sais plus quelle formation prendre. Honnêtement, je comprends plus ce jeu. Là, il y a des moments où je le comprends, le jeu. Et là, honnêtement, je ne comprends plus le jeu, comment il marche, je ne comprends plus comment attaquer. Je trouve que parfois vous attaquez, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui passe. Parfois votre formation marche, parfois elle ne marche pas du tout. C'est vraiment un délire, hein, ce jeu. Vraiment, non mais vraiment, je suis en mode, tous ces trucs de momentum et tout. Mais qui c'est que cette équipe encore, hein, c'est complètement dingue ce qui se passe parfois. Et voilà, je sais pas. On va voir, mais... Je suis dépité par ce jeu. Honnêtement, je suis dépité par comment il est fait, ce jeu. Je trouve ça vraiment dommage. J'en ai marre des matchs où je mets des tirs de partout à 3 mètres du but. Et où après, moi, je me prends des 3 buts par un mec qui tire de 40, de 30 mètres. J'en peux plus, en fait. C'est chiant, quoi. Après, ça peut arriver dans le foot. C'est toujours ça que je me dis aussi quand je rage. Je me dis, mais voilà, après, ils ont fait l'algorithme parce que dans le foot, parfois, il se passe des dingueries. Parfois, il se passe, on a tous vu des matchs comme ça, où vous dominez comme un dingue et paf, vous prenez deux buts à la con. On l'a tous vu, ce match. En Coupe d'Europe, ça arrive souvent. La petite équipe qui sort en Coupe de France, elle sort une fois, elle marque un but alors que toi, t'as fait trois poteaux. Ça arrive. Mais le problème, c'est que dans un jeu, c'est pas pareil. Dans un jeu, t'as pas envie que ça arrive, en fait. C'est vraiment chiant. L'aléatoire comme ça dans les jeux, c'est dur pour les nerfs. Et bien sûr qu'il y en a qui arrivent à gérer l'aléatoire, les plus forts, les pros, etc. C'est des gens qui arrivent justement à gérer l'aléatoire et qui font que tout le temps, ils vont être bons. Et que même quand le jeu est un peu contre eux, bah, ils vont réussir à s'en sortir. Et c'est là où on voit vraiment les gros, gros joueurs de jeu, hein. C'est ça, hein. C'est ceux qui arrivent vraiment à se sortir de là, en fait. Et donc, voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît vraiment les super joueurs. Et bravo à eux, parce que franchement, je sais pas comment ils font, mais les très, très gros joueurs, ils sont incroyables, parce que se sortir de ces espèces, eux aussi, ils doivent se taper des trucs de script et tout, et s'en sortir, mais c'est ça qui est fort, en fait.
Et c'est là où faut pas qu'on trouve d'excuses, nous, les autres joueurs. C'est que si eux y arrivent, c'est qu'il y a moyen, en fait. Si eux y arrivent, c'est qu'il y a vraiment moyen. Et c'est que c'est à nous de trouver la clé, même si parfois vous vous faites enfler et que c'est dur. Et eux aussi, ils se font enfler, mais ils arrivent toujours à mettre un but de plus. Et donc voilà, quoi, j'ai envie de dire, c'est bien joué. Oh là là, mais il est fort, lui. Il a pas d'équipe, mais il est très très fort. Hein. Ça va être un deuxième compte ou un truc comme ça, parce que là, il m'a fait une action, mon gars. C'est très très bien joué. Hein. Il y a faute, là, par contre. Ouais, attention, lui, c'est un bon joueur. Hein. Ça se voit direct. Vas-y, Koundé, t'as le droit de sauter, en fait. Non, pas là. Je vais la mettre en bas. Allez, Mbappé, vas-y. Dommage. Oh, il a un grand devant qui prend tous les ballons de la tête, là. Voilà. Il a un grand devant qui prend tous les ballons de la tête. En fait, c'est énervant, ça aussi. Putain, c'est chiant, là, ce truc de... C'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut jouer avec un grand devant. En fait, il prend tous les ballons de la tête. Ça aide trop dans le jeu, le physique et la tête. C'est... Autant sur FIFA, vous vous souvenez, c'était vraiment tout le temps la vitesse qui était chiante. Autant dans le jeu, là, c'est d'avoir un grand devant. C'est tellement cheaté, putain. Les Haaland, les Lewandowski, là, les mecs qui font des têtes. C'est tellement cheaté. Il joue vraiment bien, lui, hein. Avec son équipe pourrie, là. Oh putain, oh j'ai vraiment, là j'ai failli donner le bâton pour me faire battre. Hein. Dommage, j'y étais presque là au but. Oh non. Qu'est-ce que je fais? Oi, oi, oi. Ah, dommage. Bon allez, il faut que je revienne dans ce match. Franchement, il joue bien là, ça m'inquiète là, il est fort lui. Hein. Oh non, j'ai mal fait le corner, putain le con. Non, mais putain, je le vois pourtant le mec qui est là, je suis con. Je suis complètement con. Allez Del Piero, vas-y mon ami. Tu seras pas dessus. Ah, c'est dur. Mais il va pas être facile celui-là. Surtout qu'il a une équipe toute moisie. Donc s'il y a un équilibrage, je sais pas. Mais en tout cas, je vais me faire douiller. Non, 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 non. Ah, ça, c'est de ma faute. Oh, Koundé, vas-y par contre. Pourquoi il est pas allé dessus, Koundé, là? Oh, deux buts de la tête, par contre, ça aurait été chaud, là. Oh, je fais n'importe quoi. Oh, ce jeu m'a énervé, les amis. Là, franchement, les derniers jours, ce jeu m'a vraiment énervé. Hein. Franchement, il m'a saoulé de fou. Il m'a saoulé de fou, le jeu, là, ces derniers jours. Ça tombe bien que je parte un peu en vacances. Ça va me changer un peu de jeu de fou, là. Alors, je le tire où? Est-ce qu'il a bougé le gardien? Il a une tête à bouger le gardien, quand même. Hein. Oh, j'ai pas de chance. Putain, c'était bien joué pour le coup. J'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance.
voyez, lui, il fait un centre, une tête, but. Et moi, je prépare tout bien, là, en faisant mes passes et tout. Et non, ça n'a pas passé. Alors qu'il joue avec une équipe d'Indiens, là. Je sais même pas qui sont... Je sais même pas qui sont ces joueurs, là. Putain, c'est ouf. Oh, dommage. Et je suis mené à la mi-temps par une équipe n'importe quoi, là. Aïe, 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 aïe. En tout cas, il joue bien, hein. Il n'y a rien à dire. Il faut que je me, réveille. J'ai pas eu d'occasion, beaucoup. À part celle sur coup de pied arrêté, quoi. J'ai pas eu assez d'occasion, en tout cas. Ça, c'est sûr. Allez, Del Piero, là, ça dégage. Ça, ça fait du bien. Un petit but comme ça, une bonne grosse rap, ça fait longtemps que j'avais pas mis ça. Bon, ça, je savais qu'il allait revenir là, heureusement, je l'ai vu. C'est dommage, c'était tellement bien fait ça. Il n'y avait pas hors-jeu. Oh, il y avait vraiment moyen de mettre le but. Là, je suis dégoûté. Conrad Lehmer. Ah, il a bien sorti le goal. J'essaie de tirer, hein. J'essaie de marquer, mais ça n'a pas du tout marché. Et là, il meurt. Bien joué. Oh là là, je l'avais fait la passe. Je l'avais faite, pardon. Dommage. Allez, Joao Félix, on y va. Il appelle Mbappé, ça passe. Non, je voulais faire la feinte de frappe après. Ça n'a pas marché le temps qu'il fasse la feinte, c'était trop tard. Oh, en haut, en haut. Oh, je suis pas bien en haut. Putain. Oh, il tire à côté, j'ai de la chance. Oh, là, ça aurait été un Messi ou un Salah, ça aurait été du gauche et ça aurait été but. Hein. Ma défense était con. C'est fait complètement prendre. Hein. C'était chaud. Non, pas là. Je la mets au milieu. Oh. Et franchement aussi, ça fait vraiment plusieurs fois qu'il me fait des passes. Mais là aussi, je demande en bas. Mais c'est un truc de fou. Et ma manette n'est pas cassée. Hein. Vraiment, c'est vraiment n'importe quoi là. Ça me demande, ça me fait des passes là où je veux pas en fait. C'est relou. Oh là là. Ça m'énerve. Il m'énerve ce jeu, les amis. Non, mais... Oh là là. C'est infernal. Oh, c'est infernal, les contres. Aussi, là. Il va centrer. Putain, attention. En plus, là, si je gagne pas, c'est mort. J'ai déjà deux défaites en Division 2. Si je veux monter, il faut que je gagne tout. Oh, je crois qu'il faut vraiment que je gagne tout, en plus. Et c'est ça, hein. Je dois vraiment gagner, là. On va se mettre en offensif. On n'a pas le choix, j'ai aucune occasion là depuis un moment. Non mais genre il me rattrape quoi. Mais arrête de faire la passe là. Oh là là, mais ça me rend fou. Ça m'en fout, les amis, ce jeu. Mais... Putain, mais ça rebondit toujours sur un de ces joueurs. Mais arrêtez, quoi. Arrêtez de faire des passes sur ces joueurs, putain. C'est ouf.
Oh. J'aurais pas pu avoir un petit coup de chance là, non? Ah, j'ai essayé, hein. J'aurais pu passer. Allez. Mais c'est quoi ce contrôle à 5 mètres? Ah, ça m'énerve. Mais pourquoi ma défense se fait passer complètement? Mais c'est incroyable. Je sais pas pourquoi ma défense a laissé passer tout le monde là. Il y a vraiment des dingueries dans le jeu. Oh, mais oh, c'est pas possible. Comment il peut rattraper ça, lui? Aïe, aïe, aïe. J'en peux plus. Ouais, il dribble bien, lui. Il est relou. Il va revenir. Il va repiquer au centre. Bien joué. Dommage. Je l'avais senti venir, mais c'était bien joué quand même. Franchement, il est fort, lui. Hein. Non. Allez, Conrad. Non, mais c'est quoi ce centre de merde? Je le mets en retrait! Mais c'était sérieux, Baldé? C'est pas possible! Oh là là, ça m'énerve ce jeu! C'est un truc de ouf! Mais je le mets bien en diagonale et tout! Oh là là, c'est fou! Je vous jure, c'est fou! Il était très bon, hein? Je pense qu'avec une grosse équipe, il m'aurait arraché. Il était vraiment fort. J'ai un point, il m'en faut 22, donc c'est complètement mort. Je peux continuer, mais le truc, c'est que là, c'est mort de chez mort, en fait. Hein. Je vais pas du tout pouvoir me. Passer à ce coup-là en division 2, je crois, en division 1. Ça va même être dur de me maintenir pour le coup, vu le début que je fais. Et division 3, 3014. Et donc là, je me crée pas assez d'occasions avec mon équipe, en fait. C'est. En possession, là, honnêtement, je me crée pas assez d'occasions. Genre, vraiment pas, quoi. C'est trop dur de. C'est pour ça que les gens jouent en contre long ballon et tout. C'est que, en fait, il y a des matchs comme ça où vous avez pas assez d'occasions en possession, en fait, je pense. Et que si je joue en, je sais pas, en contre, machin, il y a toujours plus d'appels, en fait. Contre rapide, il est à 2900. Je vais essayer. Contre rapide, il est à 72, l'entraîneur. Je vais essayer de le mettre en contre rapide et voir ce que ça donne. Je vais essayer de mettre. Qu'est-ce que je peux mettre? Attendez. En cible de compte, je peux mettre Mbappé. Et en placement fixe, je peux mettre Ribéry peut-être. Pour pas qu'il revienne trop défendre et qu'il se fatigue trop. On va voir aussi les formes du moment. Lui, il a une grosse équipe aussi. Qui on a en forme? On a Jules Koundé en forme. On va le mettre ici encore. On a ça là, ouais. On va essayer le petit Matistel. Allez, c'est parti. Et ouais, ce jeu, il rend fou. Franchement, il rend fou. Il y a de quoi devenir fou, ce jeu. Je sais pas, en fait. C'est dingue. Le match d'avant, vous avez vu, en fait, l'équipe qu'il avait. J'avais l'impression que c'était pareil que quand tu joues contre une énorme équipe. Il te faisait des interceptions de partout. Donc, je comprends pas ce jeu, en fait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai déjà vu des vidéos où il dit quand vous avez perdu le momentum, en gros, quand c'est l'autre qui a le momentum, il faut garder la balle, faire des passes. C'est peut-être ça qu'il faut faire, en vrai. Je sais pas. Pour garder le momentum, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Dommage, je vais laisser si ça passait comme ça. Oula. Il est pas hors jeu là? Oh putain, c'était chaud. Allez. Oh. Dommage, je fais mon super cancel, mais ça l'a pas du tout fait bouger en fait, lui.
Dommage. Il y avait moyen de prendre la profondeur. Attention, il n'y a plus grand monde en défense, là. Oh, oh j'ai été dessus. Oh, c'est abusé. Je pensais tellement que Baldé, il allait l'avoir que j'ai arrêté ma course, en fait. Oh, ça aurait pu être super dangereux, quoi. Je croyais vraiment être dessus, quoi. Le boulet que je suis là. J'ai sorti le goal n'importe comment. Il a eu chaud là. Il a eu chaud. Dommage. Ça se tentait de jouer vite comme ça. Allez Matistel, vas-y mon petit. Merde. C'est n'importe quoi là. Allez. Allez, Joe Félix. Oh non, pas là. Pourquoi tu me le mets si loin, Joe? Adé Yemi, j'ai jamais testé dans le jeu. Il doit être pas mal, non? Un jeune rapide, là. Il doit être pas mal, Adé Yemi. Oh, Mbappé, il a fait l'appel. Il est reparti après. Trop impatient, il faut que je construise plus, je pense. Surtout contre lui, il y aura des failles si je construis plus, si je me précipite pas trop. Matistel, dommage, la frappe a été bien. Là, il meurt. Kanté. Waouh, ça passe pas loin. Il avait fait un bon appel, Joao Félix, là. Ah, je l'avais mis au bon moment dans la profondeur. Dommage que ça passe pas, tout ça. Oh, mais c'est pas possible. J'étais dessus. What the fuck? Ah, je pensais vraiment être dessus, quoi, deux fois. Hors jeu. Super. Vas-y, mon équipe, elle commence à mongoliser, là, je trouve. Faut que je fasse des passes. Ah, y a faute, yes. Let's go. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer un message sur Discord pour me dire « Salut Altis, dis-moi, est-ce qu'il y a moyen d'avoir eFootball sur PS4 ?» Bah, je sais pas, regarde sur le store. je sais pas en fait. Moi j'ai pas de PS, mais je pense qu'il faut regarder sur le store hein, pour ça. Hein. Ah, il faudrait très bien que je le mette là en vrai. Oh, j'ai pas de chance en ce moment, c'est ouf. Putain, mais c'est dingue, je vais jamais marquer quoi. J'ai l'impression que pour marquer, il faut que je fasse un cheat code, là. Allez, Mbappé, j'ai vu l'appel. Ouais, pour marquer, il va falloir vraiment que je sois meilleur, hein. Wow, les gardiens, ils m'arrêtent des trucs.
truc de fou là, des reprises, entrées de surface là, et bras du poteau, l'autre il nous fait un arrêt de malade. Et merde. Et ça passe. Non mais c'est une blague. Il aurait pu passer tout droit en fait. Mais... Et pareil, je me fais contrer des ballons, mais c'est un truc... Mais... C'est un truc de fou. Vraiment. Ça, je trouve qu'en ce moment, j'arrive pas à faire des passes, elles arrivent pas en fait. Je sais pas si c'est une latence ou quoi, c'est ouf. Allez! Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu! Matistel, ça va aller sur le banc direct. C'est pas encore prêt. Hein. C'est pas encore prêt, Matistel, du tout. Bon, je domine, mais c'est nul, quoi, ce qui se passe là. Et lui, c'est, je sais pas, c'est pas possible, il sert à rien en SA, là, je sais pas, ça marche pas, ça. Hein. Je vais changer encore le truc, je vais le mettre en MO et passer à deux attaquants, parce que je trouve que ça marche pas bien, je sais pas. Je ne comprends plus ce jeu, les amis, c'est la vidéo de la déprime eFootball, là, vraiment, c'est la vidéo de la dépression eFootball. Regardez le temps qu'il met à faire les passes, mais... Oh là là, mais il se fait contrer aussi, mais en fait, il y a une latence, c'est pas possible, je mets trop longtemps à faire les choses, en fait. Oh, il dit dommage. J'ai presque passé, là. Allez, les gars, on va y aller. On va y aller, on va aller marquer ce but. Merde, je fais de la merde. On va aller marquer ce but. Putain, mais c'est ouf. Mais... Putain, mais c'est quoi ce jeu de n'importe quoi, là? Il se passe que n'importe quoi, là. Un délire. Mais balance un parpaing devant, toi, au cas où. Le contrôle de 5 mètres. Non, mais vraiment... Mais regardez, mais je suis en danger sur n'importe quoi, en fait. C'est ouf. Allez. Voilà, Neymar. Bien joué. De petits dribbles, tir croisé. Ouh! Enfin, quoi. C'est sûr que c'est pas avec Matistel que j'aurais fait cette action, hein, les gars. Ça, je peux vous dire que c'est pas avec Matistel que j'aurais fait le crochet comme ça et la frappe comme ça enchaînée. Hein. Pas mal la double transversale comme ça pour bouger le bloc. Oh oh, pour moi. C'est pas mal pour bouger le bloc, en vrai. Vous le faites en défense, juste ça va le faire bouger, revenir et tout, c'est pas mal. Mais, merde, il avait pas fait où il fallait la touche. Valdé. Ribéry. Ribéry. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le 2-0. Il faudra que je gagne tout, les amis. Ça va être un challenge. Hein. Vraiment, ça va être un challenge dur. Allez, Conrad. Je vais Nesta. Oh, Conrad, dommage. Il fait bouger. Et pourquoi ma défense, elle est jamais là? C'est ouf. Oh, pff, j'ai taclé comme un débile. Je pensais qu'il allait tirer. My bad, my bad. J'ai vraiment pensé qu'il allait tirer. Du coup, je me suis juste dit, je vais me mettre en opposition. Mais bon,
Il va tirer à droite, de toute façon, les amis. Il tire à droite et je l'arrête. Ah, dommage. Dommage, dommage. 2-1. Bon, bah, ça nous arrange pas trop, ça. Cette histoire-là, ça nous arrange pas du tout, même. On va voir ce qu'on peut faire. Ouais, remarquer un but, en tout cas. C'est important d'en remettre un, parce que sinon, on va être en panique. Il y a 37% de balles. Il touche pas la balle. Hein. Il touche pas la balle et il a fait un tir. Enfin, voilà, comme d'hab. Hein. J'ai envie de vous dire, j'ai pas ragé, hein, mais comme d'habitude, il a rien fait du match. Il marque un vieux but. Bon, après, je lui ai donné le penalty. On va pas se mentir. C'est de ma faute. Je peux pas blâmer quelqu'un d'autre que moi. J'aurais pas dû tacler, mais bon. Allez, on est reparti, les amis. Il faut aller marquer. Ça retombe jamais sur mes joueurs. En fait, en ce moment, il n'y a rien qui sourit. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, comme il m'a défoncé. C'était chaud. Allez, 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 Mbappé. Ça aurait été bon qu'ils mettent la tête lobée là, ça aurait été trop marrant. Le vieux but, horrible. Oh, t'es sérieux? Putain, mais c'est ouf ce que je me fais contrer, quoi. Oh, putain. Et tout de suite, ça fait une contre-attaque de fou. Je comprends pas. Vas-y, faut que je me mette en défensif, c'est pas possible. À chaque fois, ça fait un contre de dingue. Non! Oh là là, il a failli mal se placer, Christensen. Il y a faute? J'ai pas vu ce qu'il a fait. Il m'a mis un petit tacle là, non? Il n'y a pas faute là. Vous avez vu comment il me prend la balle? Il n'y a pas faute, ok. Ma défense, elle fait n'importe quoi. Là, j'ai perdu le momentum en vrai. Hein. Il faut vraiment que je garde la balle parce que c'est maintenant. Hein. Là, je l'ai vraiment perdu, les gars. Allez, Ribéry. Allez, Ribéry. Mais putain, je veux faire une fin de frappe. Aïe, aïe, aïe. Non. 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 J'ai 4 mètres d'avance. Eh, mais vous avez vu comment il... Il a essayé de me carotte le jeu, là. Vous avez vu comme j'avais 4 mètres d'avance, quoi. Incroyable, le truc. Waouh. Il a vraiment essayé de lui donner la balle, quoi. Incroyable. Putain, pour gagner, ce qu'il faut faire... Ouh, quand même, quoi. Je le domine tellement. C'est tellement énervant. Enfin, bref. Sur ce, je vous dis ciao à tous. C'est dur en ce moment. Vraiment, c'est dur. J'aime pas le jeu et c'est vraiment dur. Bisous à tous et à très bientôt. C'était Altis dans la douleur. Ciao à tous, les gars.